Bonjour, ravi de vous retrouver dans un nouveau Lumière intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une actrice et chanteuse lumineuse, rayonnante. Vous la reconnaîtrez sans doute, elle a joué dans beaucoup de pièces, au cinéma également et à la télévision. J'ai le plaisir d'accueillir Vanessa Gedge. Bonjour Vanessa. Bonjour Marie. Ravi de vous accueillir. Merci. Dans Lumière intérieure sur KTO, c'est une première. Ouais. Alors, comme je le disais, vous avez interprété beaucoup de rôles. Depuis que vous êtes toute enfant. Toute petite, oui. Toute petite. Je suis sûre que les gens vous ont reconnu. C'était vous, la petite Martine, dans Le Grand Chemin. Il y a quand même quelques années. Temps, mais... Récemment, on vous a vu dans Kaamelott où vous interprétez Angarade. Tout à fait. On fait un petit round-up, un petit tour d'horizon, comme on dit en français, de vos interprétations. On en reparle. T'as quel âge ? 9 ans. Moi, 10, presque et demi. Mais là-dedans, ça fait plus. À l'école, je suis la meilleure. Et pourtant, je me bile pas. Tu veux que je te montre mon observatoire secret ? Tout ça. Viens voir. Quand, monsieur de Toulouse ? Matin ? Ce soir ? Cette nuit ou demain après-midi ? Je prends la sirène, mademoiselle. Eh bien, bravo ! Oh ! Mon Dieu, elle est belle, c'est la plus belle. Elle est pas belle comme sa maman, celle-là. Merci. Hein. Merci pour toi. Muriel. Tu pourras regarder les petites demain ? Oui ? Vers quelle heure ? Je dois rejoindre Thierry vers 18h. Allô, père, j'ai sans souci. Seigneur Perceval. Vous êtes déjà levé ? Non, mais je retourne me coucher, là. Mais qu'est-ce que vous faites dehors à cette heure-ci ? Au printemps, j'aime bien pisser du haut des remparts, au lever du soleil. Il y a une belle vue. Vous êtes sensible. Au froid, ouais. Hyper. L'énergie que je suis capable de fournir dans le cadre professionnel, eh ben, je la retrouve pas quand il s'agit de faire quelque chose pour me sortir d'une impasse émotionnelle, vous voyez ? Voilà, on a pu voir votre croissance aussi. L'évolution, oui. L'évolution. Oui. C'est vrai que je n'ai pas arrêté depuis Le Grand Chemin, donc les gens ont pu me suivre. C'est assez rigolo. À l'époque du Grand Chemin, vous aviez 10 ans. 10 ans. Ouais. Une enfant de la balle enfant de la balle, oui et non. Disons que j'ai commencé très jeune. Après, mes parents n'avaient absolument rien à voir dans ce monde, dans ce milieu, dans cette vocation. C'est vraiment quelque chose que j'avais en moi. Oui, vous aviez en vous, ça se voit, parce que déjà d'emblée, à 10 ans, vous étiez déjà lumineuse, rayonnante. C'est pas compliqué de commencer aussi jeune, d'ailleurs ? Je pense que c'est comme tout. Il y a des avantages et puis il y a des inconvénients. Est-ce qu'il y a un rôle qui vous a davantage marqué ? C'était ce premier rôle ? Quand même, Le Grand Chemin. Ouais, après, ça m'a marqué. C'est-à-dire que ça a été une expérience assez folle, tant au niveau du tournage, puisque moi, j'ai vraiment toujours voulu faire ça depuis que je suis toute petite. Quel âge ? Je crois que la première fois que je suis montée sur les planches, entre guillemets, j'avais 7 ans, c'était en CP ou CE1, avec mon institutrice Marie-Paul Guionnet, qui était devenue une amie par la suite. On avait monté Knock. Ah oui. Et je faisais ça vous gratouille, ça vous chatouille. Oui, oui. Avec un énorme cheveu sur la langue, ça vous gratouille, ça vous tatouille. Donc c'était rigolo et je voulais faire ça vraiment quand je passais au tableau pour les poésies, c'était là quoi. C'était là. Et vous savez d'où ça vient ? Alors mon grand-père maternel que je n'ai pas connu était apparemment artiste. Il a été sur les scènes new-yorkaises, il chantait, il dansait, il jouait. Bon, peut-être. Un petit peu dans les gènes. Peut-être. Et puis cet appel des planches, une fois que vous étiez dessus, même sur l'estrade, vous disiez, j'avais pas peur, il y a quelque chose. J'étais soliste à la flûte aussi, en cours de chant en primaire. C'était l'époque où on faisait encore des instruments. Ouais. On ne fait plus maintenant. Et votre corps balançait à l'époque entre chansons et comédie ? Alors non, comédie. Non. On ne fait pas de choix. Quand on est, c'est quand on grandit qu'on veut nous mettre dans des cases. Il faut que tu choisisses. C'est très français, ça, quand même, non ? C'est pas faux. C'est très... Vous faites tout, donc... Alors, j'eus fait. J'eus fait. Enfin, là, on va en parler d'ailleurs. Ouais. Il y a d'autres cordes à votre arc qui commencent à se déployer. C'est le cas de la réalisation, un grand rêve.
Oui. Que vous avez caressé. Oui, oui. En fait, alors, l'écriture a toujours été là. Ça, c'est certain. L'écriture, pareil, depuis que je suis enfant, j'invente des histoires, j'écris... j'ai écrit plusieurs scénarios, des longs notamment, ou des séries. Je ne m'étais jamais attelée, très curieusement, au cours. Parce que j'ai écrit aussi donc, des chansons. Mais c'est vrai que le cours, je trouvais ça très compliqué de devoir écrire une histoire en si peu de temps. Et puis j'ai eu une idée et je l'ai mise sur papier. Et puis, là, c'est en train de se concrétiser petit à petit. Joyeux anniversaire, Margoline. Ah oui, alors ça, c'est... Ça, c'en est un autre ouais, ça, court-métrage. C'est... Ouais. Oui. Réalisé par Olivier Riffard, tout à fait. Qui est en train de faire la tournée des festivals. Là, vous oui. êtes actrice, comédienne. Oui, alors je suis comédienne en fait. Olivier Riffard est un réalisateur, un jeune réalisateur. Retenez bien son nom parce qu'à mon avis, ça fait 15 ans. En fait, il y a 15 ans, il m'a abordé avec son accent de Toulousain comme ça dans la rue. « Vous êtes Vanessa Gage ?» Je sais pas, oui. Et puis on a commencé à papoter. « Oh, je vous adore, Le Grand Chemin, c'est mon film préféré depuis que je suis petit. » Et puis en fait, moi je suis réalisateur, donc puis on a discuté, puis au bout d'une heure dans la rue, je lui ai dit bon, « Allez, viens à la maison », ça s'est fini en buvant un petit coup dans le jardin, et puis on ne s'est plus quitté, ça fait 15 ans qu'on est amis, je suis tous ses projets. Sa femme, elle me dit « De toute façon, tu s'amuses, alors, eh ben, oui. alors c'est rigolo ». Et il fait ce qui est formidable avec Pas Olivier. Pas seulement de lui, hein. Ouais. Olivier, ce qui est vraiment formidable avec ce garçon, c'est que c'est un pur bonheur déjà de travailler avec lui parce qu'on travaille de manière extrêmement légère tout en faisant un travail sérieux. Donc ça, c'est un bonheur. On est dans une plénitude et dans une déconnade permanente. Il laisse un champ libre à la créativité tout en sachant exactement ce qu'il veut. Donc ça, c'est formidable parce que moi, je suis une actrice qui aime être dirigée hein, quand même. Oui. Olivier, il a vraiment un œil. Moi, c'est ce que j'ai aimé. Donc, quand il m'a abordé, il m'a filé le lien de son premier cours, que tout le monde peut voir d'ailleurs, qui s'appelle Les Bons Tuyaux, qu'il a fait avec 3 francs 6 sous, avec notre pote François Levental dedans. Et ce court-métrage, moi, j'ai dit waouh ! Putain, le mec, il a un vrai univers, un vrai œil. C'est singulier. Ce qu'il fait, c'est singulier. Et effectivement, je ne me suis pas gourée parce que tout ce qu'on a fait par la suite ensemble, j'ai une chance inouïe, c'est qu'il m'offre des rôles complètement fous et à chaque fois complètement aux antipodes les uns des autres. Voilà. Et c'est ça que j'adore. Et ça vous était arrivé déjà avant ? De me transformer, oui, c'est ce comme que ça. Je préfère. Ouais. Dans l'affaire Villemain de Raoul Peck, j'ai pas peur de la transformation. J'ai pas et peur de la proposition aussi. Et de la proposition. Ah ben j'adore. Mm. Plus, parce que vous disiez au départ, j'aime bien être dirigée. Ah oui, oui. Et dirigée tout en ayant quand même votre espace de liberté et de créativité. Oui, tout à fait. Et je demande, est-ce que j'apprécie chez un... Pour moi, un bon réalisateur, c'est ce que je vais essayer de faire quand je réaliserai mon premier court-métrage, du coup, on va en reparler. Mais c'est ça, c'est d'à la fois je crois que c'est très important de vraiment savoir ce qu'on veut en tant que réalisateur, où on veut aller, où on veut emmener l'autre. Et en même temps, j'ai cette expérience de comédienne où finalement, on n'est qu'un outil, on n'est qu'un corps, on n'est qu'un... Pour transmettre la pensée de l'auteur et du réalisateur. On est un corps, mais on est aussi quand même une tête qui pense et qui propose des choses. Et l'amusement, c'est quand même... Et ce qui est formidable, c'est quand on a des rôles aux antipodes de ce que l'on est, de qui l'on est, que ce soit physiquement, psychologiquement, dans le cœur, dans la tête, dans le corps. La transformation, c'est quand même l'essence, la base de notre métier. Et malheureusement, c'est... En France, on est un peu loin de tout ça encore. On n'ose pas trop. On veut de plus en plus, comme il faut que ça aille vite maintenant, vite, vite, vite. Et ben, ils cherchent tout le temps des acteurs qui collent directement au personnage. Et c'est triste parce que ce qui est formidable dans notre métier de comédien, c'est de se transformer. Moi, j'ai eu ça beaucoup dans l'affaire Villemain. J'ai eu ça sur scène avec Planchon. Ça, c'était génial. Roger qui me faisait une
confiance absolue et qui m'a confié des rôles, pareil aux antipodes de ce qu'on avait l'habitude de me confier. Et puis avec Olivier, c'est tout le temps la surprise. C'est-à-dire que quand on a fait aussi un programme court qui s'appelait j'aime pas la musique classique, mais ça j'aime bien. Je faisais une cantatrice complètement frappée aussi, où j'ai eu juste avant de tourner, on a commencé à créer un personnage avec le maquillage. On a mis des fossiles immenses, on a mis une perruque, on a mis voilà. Et moi, je me suis inspirée de Catherine Ringer, que j'adore. Yeah, oui. Bon, je suis totalement fan depuis que je suis toute gamine. Et j'ai pris des airs comme ça, vraiment, dans les traits, quoi. Rita Mitsouko, oui. Et ça, c'est... Enfin, la transformation. Mais je crois que dans Margoline, là, il est... Vous incarnez Margoline, qu'on voit en ce moment au court-métrage qui fait la tournée France. Oui, On commence tout juste et paf, deux sélections, Festival de l'Alpe d'Huez, première sélection. On touche du bois. On est en autoproduction, c'est compliqué quoi. Donc court-métrage où vous apparaissez et puis effectivement court-métrage que vous écrivez. Et là aussi c'est une femme, Lucille, ça va être le nom, c'est une jeune femme, Lucille, c'est une soignante. Et c'est pas vous? Non, c'est pas moi. En l'occurrence, ce serait Isabelle Gélinas? Non, non plus. Ah, c'est une jeune femme. Ça a changé. Isabelle... fait normalement partie du projet, ainsi que Hervé Pierre et Thomas Cousseau. D'accord. Mais elle jouerait pas Lucille. Non. Lucille est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui sera interprétée par Noéline Guillaume. Pareil, retenez bien le nom de cette jeune femme qui, à mon avis, elle sort tout juste de l'école et elle est incroyable, mais incroyable. C'est une gamine que j'ai connue vraiment bébé. C'est la fille d'amis. Vous l'avez écrit pour elle ? Pas du tout. Pas du tout. Je ne l'avais pas revue depuis qu'elle était petite. D'accord. Et puis elle m'envoie un mail. Oui, je suis la fille de Stéphane et Véronique. Apparemment, c'est moi qui lui aurais donné l'envie d'être comédienne quand elle était petite. Et puis, je sors de l'école et on a monté une pièce là. Est-ce que tu voudrais venir la voir ? Et je suis arrivée dans ce tout petit théâtre. Mmh. J'étais avec mon mari et ma fille. Et elles sont 4 ou 5, je ne sais plus, sur scène, 4 jeunes femmes qui sortent de cette même école, la générale. Et elles ont monté cette pièce avec rien, quoi, avec les moyens du bord. Pièce qui était pas mal du tout. Et là, je vois Noéline qui arrive sur scène et qui envoie la sauce. Mais alors, et elle passe par toutes les émotions. Mais alors, avec une grâce absolument infinie et une élégance folle. Elle a un physique en plus très, très beau, mais très singulier. Et là, j'ai regardé mon mari, je fais « Ok, bon, j'ai trouvé. » Ça, c'est fait. Ça, c'est j'ai fait. Ma Lucille. Donc, vous aviez votre Lucille. Ouais. Et le casting a suivi. Alors, c'était... Et pour l'écriture, l'univers, c'est justement comme votre ami Olivier ou... Pas du tout. Là, on est très dans le concret, dans le ça se passe dans le milieu hospitalier, en cancéro. Donc, un milieu assez compliqué, hein, pas très, très marrant. Et on est le film va être tourné en scope et en noir et blanc. J'ai un directeur de la photographie qui est Olivier Dubois, qui est Aurélien Dubois et qui est juste un mec en or, un grand artiste. Et là, on est vraiment avec une lumière un peu froide, enfin dans du concret. Voilà. Et peut-être du vécu aussi un peu. Ouais, du vécu. Mais on en parlera. Sûr. Dans cette deuxième partie de l'émission, que je vous propose d'aborder tout de suite. C'est la partie où je m'éclipse, comme je dis en général. Je vous laisse avec 4 mots. À vous de nous les éclairer, chère Vanessa Gage. Ça, c'était mon angoisse. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas bonne à ça. Je ne suis pas bonne à ça. Si, si. Bon, allez, on essaye. À tout de suite. Oui. Vanessa, je suis là. Vous n'êtes pas toute seule, contrairement à ce que vous disiez. Voilà. Ça va ? Oui. Allez, on commence par le premier mot que je vous propose qui va résonner. C'est le mot Méditerranée. Méditerranéenne. Méditerranéenne. C'est votre cas. Disons que mon papa et du côté de mon papa, toute ma famille paternelle, vient
sont des pieds noirs d'Algérie qui sont donc arrivés à l'indépendance de l'Algérie et qui ont dû tout quitter. Ils ont dû quitter leur pays, leurs amis, leur maison, comme beaucoup de personnes. Et c'est vrai qu'ils ont amené ce côté méditerranéen en eux, avec eux. Et moi, j'ai grandi, oui, avec cette chose-là qui est vraiment fort ancrée en moi. Je crois que je suis vraiment une. J'aime bien parler fort. J'aime bien rire fort. J'aime manger, j'aime le sucre, j'aime la mer méditerranée profondément, j'aime les palmiers, j'aime le sable, et puis ce côté chaleureux, voilà. Vous y retournez en Algérie ? Ah, moi je n'y ai jamais... Jamais été même ? Non, 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 je n'y suis absolument jamais allée... j'en ai beaucoup entendu parler, mais je crois que lors du temps, j'ai perdu ma tati il y a quelques mois, et on avait évoqué ensemble le fait d'y aller, et puis ça s'est pas fait. Et je crois que finalement, elle n'y est jamais retournée non plus, mon père non plus d'ailleurs. Et au final, peut-être tant mieux, parce que. Je sais que j'avais un ami dont la famille était algérienne aussi, et qui était allé plusieurs fois là-bas, et je lui avais dit, écoute, la dernière fois qu'il avait été, je lui ai dit, prends des photos de cet endroit, c'est là où ma grand-mère, où mes grands-parents avaient leur maison, où mon père et ma tante avaient grandi. Et puis ça a été rasé, c'était un hôtel, c'était... Et ce pays dont ils m'ont tellement... Enfin, dont ma tante, parce que mon père n'en parle pas, mais ce pays dont ma tante m'a tellement parlé avec tellement de nostalgie et de peine dans le cœur et dans la voix, je pense qu'il... Il n'a plus grand-chose à voir avec avec ces souvenirs-là. Donc voilà, je les garde en souvenir. Mais par contre, je suis plusieurs fois allée au Maroc, en Tunisie. Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a ce côté voilà, méditerranéen. Elle est là, la Méditerranée. Et puis bon, ma tante, après, a vécu à Beaulieu-sur-Mer, à côté de Nice, entre Nice et Cannes. Et c'est vrai que toute mon enfance, toute mon adolescence ma vie de jeune adulte, j'allais là-bas tout le temps, et c'est ma cousine vit là-bas à Nice, et c'est toute cette partie-là, ce bassin méditerranéen est cher à mon cœur, et voilà, je suis chez moi là-bas, quoi. Vous êtes chez vous. Ouais. Et le projet algérien, peut-être pas, peut-être jamais. Non, je pense pas. Ouais, ça me tente pas. Ce que vous n'avez pas dit, c'est donc votre père est pied noir, ouais, algérien, ouais, et d'origine juive. Oui, tout à fait. Votre maman, en revanche, est catholique. Catholique, ouais, non pratiquante. Alors, elle a fait sa communion, des choses comme ça, mais non pratiquante. Je pense que, enfin, je crois, oui, elle croit en Dieu. Mais c'est vrai que non, j'ai pas été, mon frère, ma sœur et moi n'avons pas vraiment, pas du tout été élevés dans la religion catholique. Bon, moi, mes parents se sont séparés. En plus, ma sœur avait 13 ans, mon frère 10 et moi 3. Alors, ouais. Mais c'est vrai que moi, je ne crois pas en Dieu. Je crois en quelque chose. Je crois en l'âme, je crois qu'il y a quelque chose, mais je crois pas en ce qu'on appelle Dieu. Je ne crois pas en cette puissance unique et qui serait au-dessus de tous, transcendante, de tout chacun, voilà. Mais si j'avais cru en un Dieu et que j'avais dû choisir une religion, je pense que je me serais tournée vers le judaïsme, parce que j'ai été élevée finalement plus dans cette tradition-là. Je ne veux pas dire religion, parce que oui, ma grand-mère était... oui, alors elle était vraiment juive, ma tante aussi, mais
Mon père aussi, mais si vous voulez, c'était plus de la tradition que de la religion chez, chez nous. C'est-à-dire que c'était, on faisait les fêtes. Toutes les fêtes, tout le vendredi, chaque vendredi soir, on allait manger le couscous. Ça, c'était, voilà, c'était, ma, mamie faisait le couscous, tati, et puis les, toutes les grandes fêtes, les gâteaux, les, voilà, c'est beaucoup autour de la nourriture, quoi. Tout ce qui est sucré, tout ce qui est doux, tout ce qui est, c'est le miel. C'est, et c'est vrai que vous que les avez conservés ? De quoi ? Ces traditions-là, culinaires Alors, en fait, donc, comme je disais, ma tati est partie il y a quelques mois. J'étais extrêmement proche. On était extrêmement proche. Et du coup, hier soir, par exemple, j'ai fait les bestels à mes enfants parce qu'ils adorent ça. Et puis, plus personne n'est là pour le faire. Donc, je m'y colle maintenant. J'essaie. Après, je suis pas une grande cuisinière. C'est pas mon fort. Et c'est vrai que hier, j'ai mis 3 heures à faire 10 pauvres bestels, alors que ma tante en faisait pour toute la famille, pour tout le monde, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Et je me dis, mon Dieu, mais en fait, quel don de soi. Quel don de soi. Vous avez le sentiment d'avoir repris ce flambeau ? Non, parce que je n'ai pas cette dévotion qu'elle avait, qui était incroyable. Qui est un véritable don et un véritable don de soi. Moi, je ne suis pas forte comme elle pour ça. Et vous êtes forte, Vanessa. Je vous propose le deuxième mot. Oui. On continue. Deuxième mot. Résilience. Ah bah oui. Je parlais de votre force. On a évoqué cette maladie que vous évoquez également dans le court-métrage. Oui. Vous écrivez. Tout à fait. Eh bien, la résilience, oui, je pense que lorsque l'on... La résilience, c'est quoi ? C'est se relever, en fait. Hein. C'est se relever, quoi. Se relever, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit, quoi que... La résilience, hein, c'est soit... Quand il vous tombe quelque chose comme ça, comme la maladie, là, je parle de la grosse... Cette grosse maladie que vous avez vécue, ouais, cancer du sein. Tout à fait. Très grave. Très grave, ouais, parce que c'est un... Quand on tombe là-dedans, on apprend des tas de trucs. Hein. Nous, on a appris avec mon époux des tas de choses qu'on ignorait. Déjà, il y a plusieurs types de cancer du sein. Or, nous, on est tombés des nues. Et puis moi, comme je ne fais jamais rien comme tout le monde, pour que ce soit un peu plus funky, j'ai fait un certain type de cancer du sein qui ne représente que 20%. Un cancer du sein qui était un cancer très vicieux. Et quand on s'en est... Donc, il peut mettre des années à apparaître, et c'est ce qui s'est passé. J'ai eu mal pendant 2 ans et on ne comprenait pas parce que tous mes examens étaient nickels. J'étais très fatiguée, j'étais... Alors, on mettait ça sur le compte que j'avais mes 2 enfants qui étaient très jeunes. Mon fils venait de naître, ma fille avait 2 ans et demi. Alors, c'est vrai que... Non, ma fille avait 4 ans et demi, pardon. Et mon fils avait 2 ans, ouais, c'est ça. Suzy et Gaston. Suzy et Gaston, ouais. Mmh. Ouais. Et qui aujourd'hui, 14 et 11 ans. 14 et 11, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Et du coup, c'est vrai que quand ça vous tombe dessus, après, c'est une bombe, hein, c'est une vraie bombe. On est jeune, on est en pleine santé, on ne fume pas, on ne boit pas, raisonnablement. Moi, je faisais du sport, je n'étais pas en surpoids, enfin, il n'y avait rien qui... J'avais allaité longtemps, ma fille, je l'ai allaitée 16 mois quand même, c'est censé protéger. Et en plus, je me tape non seulement cancer du sein, mais en plus celui du canal, du lait, quoi. Je me dis, mais c'est fou, quoi. Et puis, quand on s'en est aperçu, ouais, ça faisait plus de 2 ans qu'il était là et j'avais tout le sein bouffé et j'avais 3 chances sur 10 de m'en sortir. Donc, autant vous dire que c'est pas beaucoup. Et quand on vous annonce ça, que vous avez 37 ans, 2 jeunes enfants, le monde s'écroule. Et puis, je pense qu'il y a quelque chose qui m'a sauvée, c'est que je faisais beaucoup de sport depuis que j'étais petite et j'avais le mental. Gamine, quand je faisais du sport, des compètes, des trucs, je jouais pour gagner.
pas juste pour jouer. Je n'ai jamais compris cette... Ah, mais l'important, c'est de participer. Ben non, 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 moi, ce que je veux, c'est gagner. N'empêche que je pense que c'est... Et là, ça tombait bien, ouais, avec une maladie comme ça. Faut être combattant. Ouais, je crois que c'est ce mental qui m'a permis de... J'ai subi vraiment des trucs pas marrants, quoi. J'ai subi vraiment des trucs pas marrants. Physiquement, très dur. Terrible. On ne pense même pas qu'il est possible à un être humain de subir ça, ces souffrances-là. Et puis ça résonne, hein, psychologiquement, c'est très hard, hein, encore aujourd'hui, c'est très compliqué, parce que depuis 9 ans, avec tous les traitements que j'ai eus, mon corps a beaucoup changé, j'ai pris beaucoup de poids, j'ai pris du poids, c'est compliqué. J'ai vieilli prématurément au niveau de mon corps. Il y a de l'arthrose avec les traitements. Il y a des choses qu'on n'est pas censé avoir à mon âge. Je peux plus courir. Je peux plus. Moi, qui adorais danser, j'ai eu du mal aujourd'hui parce que le souffle est court, parce que j'ai plus de cartilage aux genoux, parce que. Donc, il faudra apprendre à vivre autrement, à accepter. Et ça passe par un long cheminement. Et puis la résilience, mais j'apprends encore, hein, je sais pas gagner. C'est un peu un pas à la fois, voilà, un jour à la fois, un pas à la fois. Qu'est-ce qui vous a le plus aidé ou qui vous a le plus aidé? Mes enfants, mon mari, qui a été exceptionnel, un accompagnant. Je pense pas qu'il m'aurait été possible de vivre ça avec quelqu'un d'autre que lui, je dois dire. C'était un combat à deux. Ouais, vraiment. Vraiment, c'est pas mon cancer, c'est le nôtre, pour le coup. Il a été, même tous les médecins, hein, chirurgiens, oncologues, ils n'en sont pas revenus. Il était là à chaque rendez-vous. Il a été. Je lui en serais à vie extrêmement reconnaissante. Il a été fabuleux, vraiment. Il vous tenait la main. Ouais, pas que la main, tout le corps. Tout le corps. Le corps, la tête, l'esprit, vous tout. Vous avez parce eu plus d'une dizaine de chimios? J'en ai eu 15 chimios, 25 rayons, on m'a enlevé le sein complètement, un bout de fesse. Et puis rebelote, il y a un an, cellule précancéreuse dans le ventre cette fois, c'est souvent lié. Donc là, on n'a pas attendu, on a pris les devants et hop, on a tout enlevé. Donc ça a été encore assez sympatoche, cette petite... aventure. Donc voilà, encore des bonnes souffrances physiques et morales. Et puis voilà, et puis on est là, on est bien. Alors certes, on a pris du poids, certes, on a un peu... on n'est plus tout à fait la même. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire, mais on est là. Donc c'est... Et je pense que la résilience, elle est dans le fait que les jours où ça ne va pas, les jours où on se dit « Merde, putain, quand même... mon corps, c'est pas très joli, c'est pas très, on n'est pas, c'est compliqué, hein. Quand on est une femme plutôt jeune encore et que c'est compliqué. Et puis au final, je suis là, quoi. Donc vous êtes là, bien là, d'être rayonnante. Passée, merci. Oui, c'est vrai. C'est gentil. Et pour revenir à la question qui m'a tenue, mes enfants. Je me suis d'abord effondrée et puis un jour je suis arrivée et j'ai dit aux médecins, aux oncologues, ils étaient trois, je me souviens. J'étais en larmes et je leur dis, ils voulaient pas me dire si j'allais vivre ou mourir. Et moi je voulais savoir, Et on peut pas vous dire j'ai combien de chances j'ai. Et c'est là qu'ils me balancent 3/10. Et là je me décompose, mon mari devient blême. Et là, j'étais en larmes et je leur dis, alors écoutez-moi bien. Je pointe du doigt comme ça, je leur dis, écoutez-moi bien. J'ai deux gamins en bas âge. Il est hors de question que je meure. Donc faites votre taf, moi je m'occupe du reste. Et là, ils m'ont regardé comme si j'étais un peu une dingue. Et ils m'ont dit, ah, super, voilà, c'est cette attitude qu'il faut. Et je reste ça intimement convaincue pour avoir mené ce combat long, difficile, que je mène depuis 9 ans, hein, de toute façon, au quotidien. Je reste intimement convaincue que le mental, le désir profond de s'en sortir, il est primordial. Il est primordial. De toute façon, mon père, à un moment, parce que les 15 premiers jours, je me laissais complètement aller. J'ai perdu 8 kilos, j'étais en chute totale.
c'est le monde qui s'écroule. Hein. Vous attendez pas du tout à ça, et puis pas à cet âge-là, et puis pas comme ça. Vous venez d'avoir des enfants, vous êtes heureux, tout va bien. Et puis je mangeais plus, je pouvais, rien ne passait. Et mon père m'emmène au restaurant, je peux pas avaler quoi que ce soit. Et là, il a été un peu froid, quoi. Lui-même s'était sorti d'un cancer très grave à Hodgkin. Et il m'a dit, écoute, c'est bien simple, tu veux vivre ou tu veux mourir? Et là, j'ai regardé, je lui ai dit, bah, je veux vivre. Il m'a dit, bah, alors tu manges, il faut les forces. Et en fait, il a eu raison, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai été dans le combat. C'est à partir de ce moment-là que j'ai été dans le combat, vraiment. Et il a fallu l'être, il a fallu l'être. Votre père vous a aidé, c'est sûr. Ouais, bah, toute ma famille, hein, de toute façon, on a tous été très, très... Il y a eu un bloc... extrêmement soudée autour de mon mari et de mes enfants et de moi-même à ce moment-là. On passe au troisième mot, Vanessa. Ouais. C'est le mot singularité. Oui, bah oui, la singularité, moi, c'est ce qui me plaît. Ben, je vous en ai parlé tout à l'heure quand j'ai parlé de d'Olivier Rifard, qu'un œil, un univers comme ça singulier. Et puis, ouais, moi j'aime les gens assez qui ont un univers comme ça. J'aime les gens singuliers, ce côté, y a cette phrase d'Oscar Wilde qui est très connue et qui dit soyez vous-même parce que toutes les autres places sont déjà prises quoi finalement. Et c'est vrai, faut pas avoir peur d'être soi. Alors on met parfois quelques années, hein, avant de quelques années, un peu d'expérience, avant d'accepter d'être soi. C'est compliqué et d'avoir ce côté singulier, ce côté unique, ce côté à soi vraiment. C'est bien de rentrer dans le moule pour certaines choses, pour aussi permettre de d'être avec les gens. C'est important. Il y a des codes. On est dans une société, il y a des codes. Il faut les accepter. On met plus ou moins de temps à les comprendre, à les décrypter, mais c'est bien d'amener sa singularité quand même, je pense, dans tout ça. Est-ce que cette singularité s'est renforcée à travers et après cette épreuve ? J'ose un peu plus dire non. Donc, le fait de dire non, je pense que oui, ça renforce cette singularité. Ouais, je crois que c'est compliqué. C'est compliqué. Hein. C'est Baudelaire qui écrit ni tout à fait une autre, ni tout à fait la même. Et c'est ça. Après une épreuve pareille, moi, je ne suis plus ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. J'essaye de me retrouver dans ce que je ne suis plus, dans ce que je ne serai plus jamais, parce qu'il y a toute l'insouciance que j'avais qui n'existe plus, qui ne pourra plus jamais exister. Ça, c'est quelque chose, l'insouciance que j'ai perdue à jamais. Et ça, j'en suis très triste, mais c'est comme ça. Ça fait partie de la résilience du mot précédent, il faut l'accepter. Je ne pourrai plus jamais être insouciante, plus jamais. Mais la singularité, elle est tout d'abord dans le fait de vivre une expérience comme celle-là. C'est-à-dire que chacun la vit à sa manière. Chacun vit la maladie, l'expérience de la maladie. Pour ceux qui ont la malchance de ou la chance, je ne sais pas d'ailleurs, de vivre cette expérience. Je ne sais pas, ça m'a quand même apporté des... C'est ce qui fait que je suis cette femme-là aujourd'hui, en même temps. Tout ce que j'ai vécu, je crois que je ne regrette rien. Depuis tout ce que je vis depuis 47 ans, le bon, le moins bon, le pas bon du tout, l'excellent, je crois que je ne regrette rien en fait. Si c'était à refaire, je crois que je ferais tout pareil, même la maladie, si j'avais le choix évidemment. Parce que ça m'a quand même apporté et appris beaucoup de choses. Sur moi, sur les autres, sur le... Moi, j'ai découvert une force que je ne soupçonnais pas avoir. Mais vraiment. Morale et physique. Et la singularité...
Je l'ai trouvé dans les gens beaucoup aussi à ce moment-là. Tous mes amis, ma famille m'ont tous amené quelque chose de singulier qu'ils avaient, eux. À ce moment-là, je crois que quand on a peur de perdre quelqu'un qu'on aime, on est vraiment aussi totalement soi et on donne vraiment, à ce moment-là. C'est triste d'ailleurs, hein. Parfois, il faut attendre qu'il y ait ça pour dire je t'aime, pour oser aller vers l'autre complètement, librement. Et puis après, la vie reprend son cours. Un peu différemment. Un peu différemment pour la personne qui a été malade. Et puis forcément, hein, ça change. Comme la personne qui a été malade, elle change. Aux autres aussi de s'adapter. Il y a un moment, moi j'ai compris en fait que j'ai vraiment pris conscience de la mort, quoi. C'est-à-dire que oui, on doit tous y passer un jour, oui, on va tous dans le même trou, mais quand on découvre que ça peut arriver plus vite que ce qui est prévu et qu'on n'a pas du tout envie que ça se passe comme ça, on comprend un peu plus de... On n'a plus trop envie de perdre de temps. Voilà. Je m'attarde moins sur des choses comme la bêtise, par exemple. C'est un peu prétentieux de dire ça, quoi. Je sais pas. Non, je... Voilà. J'ai envie de vraiment de faire ce que j'ai envie de faire. Avec ma singularité à moi. Et vous le faites bien. Oh bah c'est gentil, je ne sais pas, mais en tout cas je le fais. J'essaie. Quatrième mot que je vous propose, qui flirte un peu avec celui que vous avez évoqué tout à l'heure, le mot invisible. Oh, invisible ? Invisible ? Pourquoi pas invisible ? Invisible, qu'est-ce que je vais dire sur invisible ? Oh là là ! Oh, j'avais peur de cet exercice, mais alors avec les trois premiers, ça a été invisible. Le monde de l'invisible, par exemple. Ah, ouais. Ouais. Alors, ça évoque beaucoup de choses. Invisible, ouais, d'accord. Vous pensiez aux invisibles qu'on croise ? Ouais, alors, tout à coup, ça m'évoque. Je ne savais pas quoi dire, mais maintenant, ça m'évoque. Il y a plein de trucs très différents qui viennent. Voilà. Allez-y. Il y a... je vous disais tout à l'heure, par exemple, que je ne crois pas en Dieu, mais que je crois en l'âme. Ben voilà, moi depuis que je suis petite, je reste persuadée qu'on meurt pas totalement, on meurt pas vraiment en fait. Je pense que les gens qu'on aime, qui nous aimaient et qui ne font plus partie de ce monde, font partie d'un autre monde, mais qui est... Vous savez, c'est un peu comme en maths, comme en géométrie, quand on donne l'exercice à un enfant de faire avec son copain un cercle. De centre A. Et puis, par ce cercle de centre A, par ce point A, un autre cercle vient. Et donc, ces deux cercles sont distincts et en même temps, ils ont une base commune et un endroit commun. Et bien, moi, je crois à ça. Je crois qu'il y a un ailleurs, il y a un autre monde, il y a un autre monde ailleurs. Et puis, il y a quand même un... une sorte de truc, quoi. Oui, il y a un endroit où ces deux mondes se retrouvent. Voilà. Et c'est alors est-ce que je crois à ça pour pas être trop triste parce que j'ai perdu pas mal de personnes dont je vous dis la dernière en date c'était ma tati et, sans doute la plus dure pour moi jusque-lors. Est-ce que j'ai besoin de croire à ça ? Je sais pas parce que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis que je suis vraiment toute petite quoi. Aussi loin que je me souvienne, je crois à ça. Et je parle. Je parle à ces invisibles chers à mon cœur et je leur parle beaucoup, souvent. Je pense à eux. Je pense d'ailleurs qu'on meurt peut-être vraiment dès lors qu'on ne pense plus à nous et qu'on ne nous évoque plus. Peut-être à ce moment-là, mais c'est ce dessin animé qui est magnifique de Pixar. Comment il s'appelle qui se passe au Mexique là. Coco. Coco. Bah qui c'est parle ça. De ça. Ah bah c'est ça. Voilà. Quand on chérit plus la mémoire des décédés, c'est que ça. Que les photos jaunissent et qu'on ouais. Voilà. Ouais.
Et c'est tellement important. C'est important, quoi. Donc, pour l'invisible, pour ce mot-là, je pense à ça. Et puis, je pense aussi à... Ça me fait penser aussi à plein de gens bien vivants qui sont très discrets, comme les soignants, par exemple. Ces petites gens qu'on ne voit pas vraiment et qui sont pourtant exceptionnels. Les partie, autres invisibles, effectivement. Voilà, les invisibles vivants. Qu'on voit aussi dans votre court-métrage. Ouais. C'est Lucille, c'est vraiment ça. Ça parle de cette petite jeune fille qui est soignante et qui vit un drame personnel au moment où elle ouvre quand même la porte tous les matins et avec le sourire, la banane, alors qu'elle, elle en chie derrière parce qu'elle vient un gros truc dur et puis elle montre pas, quoi. Elle montre pas, elle est au service des gens. Et cette, pour écrire Lucille, je me suis vraiment inspirée d'une jeune femme soignante, infirmière, que j'ai croisée, moi, à l'hôpital, lors d'un de mes séjours à l'hôpital. C'était une jeune fille d'une vingtaine d'années qui était mais hallucinante, d'une force. Oh, 22 piges, elle avait la baume, je crois. Oh, incroyable. Voilà, je me suis inspirée d'elle. Et de vous ? Et de moi, ouais, bien sûr. Ah oui, après, c'est un film choral. Donc, dans tous les. Dans chaque patient, il y a un truc qui m'est arrivé, c'est sûr. Il y a un peu de ce que j'ai vécu dans chacun d'eux. Et donc, ça parle de la résilience, ça parle des invisibles, ça parle de la singularité. Ça parle pas de la Méditerranée. Ça sera pour le prochain. Oui, pour le prochain, pourquoi pas. Ben oui. Ouais. Donc voilà, ouais, les invisibles, c'est intéressant. Ils sont intéressants, les invisibles. Qu'ils existent encore ou qu'ils n'existent plus véritablement, en tout cas au niveau du corps. Voilà ce que je peux dire sur invisibles. Les invisibles qu'il faut rendre visibles. Exactement. De temps en temps. Je reviens vers vous pour la dernière partie, d'accord, la conclusion. À tout de suite, Vanessa. À tout Merci. Suite. Vanessa, je suis de nouveau en face de vous. Oui. Ça va, rassurer. Oui, je préfère. Ça s'est bien passé quand même. C'est plus. Ouais. C'est plus convivial. C'est une expérience assez étonnante. Oui. Oui, c'est chouette. C'est la première fois que vous étiez toute seule sur un divan, dans un fauteuil. Oui. Vous avez vu des psys ? Oui, évidemment. Forcément. Forcément, heureusement. Après ce qui m'est arrivé, heureusement. Oui, après cette épreuve, tout de suite. Trois ans après. J'ai eu une grosse dépression qui m'est tombée dessus 3-4 ans après. Et apparemment, c'est assez fréquent que ça arrive 3-4-5 ans après. C'est bizarre, hein ? Mm-hmm. Je ne comprenais pas. Et puis en fait, voilà. Le contre-coup, la réalisation. Exactement. Parce que quand on... D'abord, on est dans le combat. Et puis après, donc on n'a pas le temps de s'arrêter à ses états d'âme. Mmh. Quand on s'en sort, on est heureux de s'en être sorti. Et puis on voit tout est merveilleux. On a l'impression d'avoir 3 ans et de tout découvrir de nouveau. Cette période-là est géniale. Et puis après, il y a le quotidien qui reprend. Et puis un jour, paf, tombe dessus comme ça un matin, on peut plus se lever, quoi. Je dis, putain, mais en fait, je suis fatiguée. Et donc là, il est nécessaire, urgent et nécessaire de voir quelqu'un. Moi, j'ai vu une psychiatre à l'hôpital, l'Institut Gustave Roussy, donc où j'ai été traitée, soignée, guérie. Et merci à cette femme qui m'a vraiment énormément apporté. Pendant plusieurs années. Et qui m'a déculpé, 3 ans. Et qui m'a déculpabilisée de ce qu'on dit. Pourquoi cette culpabilité, effectivement ? Ah bah oui. Ah oui, moi, je suis quelqu'un qui culpabilise, je sais pas, ça doit être le côté juif, ça. Le côté juif. Je culpabilise pour tout. Judéo-chrétien aussi. Ouais, c'est... Oui. Vous pensez que c'était une forme de châtiment, ce cancer ? Alors non, ça non. Non. Non, non, ça je me suis beaucoup posé la question, pourquoi ? Oui, pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas juste, j'ai été beaucoup dans le côté, c'est pas juste, quoi. C'est pas juste. Et la culpabilité, donc c'était...
Non, non, la culpabilité de d'avoir fait une dépression. Ah oui. Par la suite, de ne pas comprendre. Ce sera arrivé tout de suite après, je me suis dit, ok, je l'accepte, normal, logique. Mais là, 3-4 ans après, on dit, mais pourquoi je ne comprenais pas pourquoi ça n'allait pas. Je sortais de ça, tout devait aller. Après ça, tout va normalement. Eh bien non, en fait. Non. Et ça, c'est derrière maintenant. Ouais. Oui, c'est derrière. Oui, ça m'a... Voilà, ça m'a rattrapé il y a un an. De toute façon, je suis vigilante. Hein. Je continue à être contrôlée régulièrement. Mais normalement, je suis risque zéro comme n'importe qui. Enfin, risque zéro. Pas plus ni moins de risque que quelqu'un qui n'a rien eu. Heureusement, après toutes ces années, toutes ces opérations, tout ce... Mais c'est toujours là. Hein. On vit, on n'est plus... C'est ce que je disais, hein, quand je disais, il n'y a plus d'insouciance. Ce sera toujours là. Et voir un psychiatre aussi, c'est derrière, c'est ça que je voulais dire. Ah, bah, pour l'instant, ça s'est converti en grande créativité. Ouais. Ça me permet de faire un lien aussi de nouveau vers votre court-métrage. Ouais. Parce que ça, c'est quand même... Bah, c'est vraiment un projet qui me tient à cœur, là, ouais. Ouais, une nouveauté, passer derrière la caméra. Oui, c'est vraiment quelque chose que je... Un exercice que je... C'est pas une lubie, quoi. J'y pense depuis de nombreuses années. Et c'est pas un hasard que ce soit votre histoire quand même quelque part d'une certaine façon. Alors c'est pas mon histoire. Pas votre histoire. Non. J'ai écrit un long là-dessus. Et que je suis en train de complètement désosser pour le remanier parce que 9 ans après j'ai plus envie de raconter cette histoire. Ouais. En fait j'ai commencé à écrire ce long 2 ans après, je crois, donc en sortant du combat. Mais c'est, oui, effectivement, dans un univers quand même que vous avez connu. Ouais. Mais justement, comme j'ai quand même envie de sortir de tout ça, non plus pas parler que ça toute ma vie, même si ça fait partie de moi, je suis en train de désosser le truc pour le refaire de manière complètement autre, sous un autre angle, voilà, complètement différemment. Donc ça, c'est très compliqué et c'est en fait... comme j'ai commencé, c'est beaucoup plus dur d'écrire sur, de réécrire sur une histoire qui est déjà existante que de partir d'une feuille blanche. C'est sûr. Et du coup, j'ai bossé en début d'année. Et puis, il a fallu que je fasse une pause et j'ai écrit Lucille. Voilà. Alors, toujours dans ce milieu-là, mais plus vraiment, c'est le côté des... Avec un pas de côté. Oui, c'est-à-dire que vraiment, on est vers les soignants. Il y a les patients, mais... C'est l'histoire de cette fille-là, quoi. Pendant cette période, cette épreuve, et même maintenant, vous priez. Il y avait une forme de prière ou de... Est-ce que je prie? Alors... Vous disiez que vous étiez quand même très connectée avec les invisibles. Ouais, moi, je parle. Vous parlez avec votre tante en ce moment? Ah oui, énormément. Tous les jours. Next. Donc, il y a toujours quand même cette connexion. Ouais. C'est une forme de prière. Bien sûr. Oui. Oui, finalement, oui. Qui vous soutient? Qui me soutient, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai besoin de lui parler. Sa présence. Ouais. Vous sentez la présence. Moi, je ne veux pas non plus. Merci. Non, merci pour tout, en tout cas, Vanessa. Merci à vous. C'était super. Merci de cet échange, de ce partage, de votre générosité. Oh, bah. Et il y a pas mal d'actualités. Redis, donc Lucille qui va bientôt sortir. Alors sortir, non, on ne l'a pas tournée. Tout est prêt. J'ai mon casting, mes techniciens formidables. Il manque le financement. Appel au don, financement. Voilà. Pour Lucille. Financement pour Lucille. En attendant, joyeux anniversaire, Margoline. Oh là, ouais. Dans un autre genre, où vous incarnez Margoline d'Olivier Riffard, qui fait la tournée des festivals en ce moment. Le prochain Olivier Riffard, court qu'on devrait tourner l'année en 2024. Et aussi un autre court. Et puis aussi un album de musique. Alors non. Non, il n'y a pas d'album? Non, j'ai plus envie. J'ai eu très envie. On n'a pas parlé du côté chanteur, mais vous êtes aussi chanteuse. Ça a été un fantasme très longtemps. Je l'ai fait et puis je l'ai fait. C'est bien, je l'ai fait. C'est génial. J'ai fait un album. J'ai fait de la scène, j'ai fait un album. C'est génial. Mais non, ça m'est passé. Je fais de la musique à la maison pour moi, avec les enfants. Mais c'est... La réalisation maintenant. Ouais, ça ouais, création. Vraiment. Et puis je vous dis, le prochain film d'Olivier, qui sera le dernier cours, après, il passe au long. Ça marche. Merci beaucoup. Merci encore à vous. Infiniment. Merci à vous derrière vos écrans. Vous savez où nous retrouver, ktotv.com. Très bonne fin de semaine. Merci Vanessa. Merci Marie.